Juste avant que la vidéo commence, vous avez la possibilité de gagner un petit abonnement de Nintendo Switch Online que je réserve uniquement à mes abonnés. Pour participer, c'est très simple, vous avez juste à mettre soit un hashtag randomizer ou un hashtag lamp dans l'espace commentaire. Allez, c'est parti! Après être arrivé à Motorby et d'avoir changé ma coupe de cheveux bien dégueulasse au passage, je décide de faire un petit détour dans les terres sauvages. Je croise un carapute que je décide de renommer Canon. Ouais, l'originalité, tout ça, tout ça. Je décide donc de lui faire subir un entraînement intensif, lol, et de le faire évoluer en carabaf. Et bordel, j'avais oublié que c'était un randomizer, et je me suis retrouvé avec un fake Pikachu blédard. Et donc malheureusement, je décide de faire un choix et de dire adieu à Axolotl. Bah ouais, sinon je vais jamais réussir par la suite. Et j'ai eu raison puisque l'évolution est plutôt sympathique. Bref, pour continuer, je décide de me rendre à l'arène pour m'inscrire à la compétition. Et je vois Tilly qui se la ramène, ça commence bien. Allô ? N'est pas disponible pour le moment. Maintenant, je rentre à l'intérieur et je croise qui ? Le rival de Pokémon version Noir 2 et Blanc 2, version AliExpress. Il veut s'inscrire à la compétition des arènes Pokémon. Ha 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 ! Laisse-moi rire, tu ne gagneras jamais mon pote. Et encore moins pour toi Tilly, ne rêve pas trop, tu finiras professeur Pokémon. Mais avant, on va devoir passer une nuit dans un hôtel. Et non, rêve pas trop, mec, tu ne rentreras pas dans ma chambre, parce que je te vois venir. Avec tes airs de Tillyienne. Bref, je décide de me présenter, là je croise qui ? Des racailles qui se font littéralement dominer par une fille de 10 ans. Piu piu, police Nintendo. Je décide donc de les provoquer en duel, car oui, j'ai envie de dormir, donc laissez-moi passer. Et super, je vais devoir me battre contre des œufs. Passons, ils sont vraiment nuls. Le lendemain, on se réveille, on arrive au stade pour voir quel champion va devoir combattre. Et je me rends très rapidement compte qu'une d'entre elles a chopé le coronavirus. Ou alors elle a passé un très long séjour sur la planète Namek. Mais dans tous les cas, ne t'approche pas de moi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu mon magnifique numéro. Ha ha ha, sacré coquine lampe. Après ce petit spectacle, bah, il est temps de se rendre à la première arène de type plante. Et devinez qui me provoque en duel, pas compliqué à deviner, c'est Tilly. Le retour avec Arzacian. Tout va bien. Et je vais lui mettre littéralement la fessée. Même avec un légendaire, il est pas capable de se battre. Allez, ciao mon pote. À présent, j'arrive à peine à la route 3 et que dire, des ennuis de partout, des dresseurs qui viennent me raconter leur vie, à croire que je suis leur psychologue. Non mais franchement. Juste après, j'arrive dans la grotte et je croise qui ? Le rival de Pokémon version Noir 2 AliExpress. Je suis même sûr que c'est son fatboy. Et je tiens à vous le dire, il a pas fait long feu le monsieur. Lorsque je l'ai combattu, il a tout de suite fermé sa bouche. J'arrive donc à Greenbury pour m'attaquer à la première arène, afin de battre Jean-Bernard l'éleveur de moumoutons. Et ça a été très vite, il a essayé de me sortir un œuf au combat, et franchement ça se dit champion d'arène, même Tilly l'éleveur de whisky aura pu prendre ta place. Et pas de commentaires à te faire Jean-Relou Larousse qui est venu me raconter encore sa vie. Non mais franchement, je suis le psychologue de tout le monde ou quoi? Je décide donc de m'extérioriser, j'arrive sur la route 5 et je me fais interpeller par un groupe de journalistes. Et là je me dis super, je vais être populaire, riche, plein d'argent. Et là, ils viennent me dire... Un jeune youtubeur nommé Electro aurait attrapé le coronavirus, maladie venant de Chine. Je décide de me barrer parce que j'ai plus l'impression qu'ils ont siphonné de la cervelle. Et je me fais interpeller par qui encore? Bah Tilly, le retour. Il m'avait pas manqué ce connard. Non mais franchement, ce gars il veut tout le temps faire des combats alors qu'il sait pertinemment qu'il va encore perdre. Et pour me faire perdre du temps, clairement il m'annonçait la couleur en m'envoyant un symbiose, un Pokémon extrêmement nul et qui va spammer littéralement des attaques de soins, de protection ou balance. Juste pour me faire perdre du temps. Je comprends, le pauvre il a pas envie de perdre encore en deux tours. Mais bon, t'es plus chiant qu'autre chose là, donc casse-toi. Pour continuer, j'arrive à Skiford. Qui dit ski, qui dit neige. Le rapport? Non? Bon, ce n'est pas plus important que ça. J'arrive à la seconde arène, et là, je retrouve la Namek. Et qui me sort un putain de Wailord. Et là, je me dis que je suis vraiment dans le caca. J'ai tout tenté, dynamaxer mon Pokémon en espérant avoir un peu de chance par la suite. Et que son prochain soit un Pokémon tout pourri. Et juste après, elle me sort un Poissirène, qu'elle va tenter de dynamaxer. Donc je me dis, tranquille. Et bien sûr, j'ai perdu, humilié par un Poissirène à cause d'un coup critique. J'aime ma chance. Bon, Pablo, on va tenter le tout pour le tout. Transforme-toi en un bon Pokémon, s'il te plaît. Super, c'est un Tignon, je vais pouvoir enfin la démonter. Et c'est plutôt le cas parce que Pablo a fait le taf. Et donc, je vais pouvoir prendre mon deuxième badge d'arène. Et par contre, toi, évite de me serrer la main. Mais putain, Lampe, je t'avais dit de rien faire, t'es vraiment conne. Et voilà donc, c'est la fin de cet épisode de Pokémon épée et bouclier en randomizer chez Ni Extreme. J'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un big pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Pokémon. C'est Electro, prenez soin de vous et ciao ciao !